Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Dimanche 22 janvier 2023, c'est le nouvel an chinois et je me trouve ici à Central Samui. Central Samui, c'est le mall de Koh Samui, le centre commercial. On va célébrer le nouvel an chinois ici dans un petit quart d'heure. Le dragon qui est derrière moi. Central Samui, donc c'est un centre commercial avec tout un tas de commerces, un peu comme on pourrait trouver à l'européenne n'importe où dans le monde. Et aujourd'hui, un événement particulier à l'occasion du nouvel an chinois. Nous allons célébrer l'année du lapin d'eau, si j'ai bien lu les informations que j'ai trouvées sur internet. Il va se produire ici une procession avec le dragon que vous voyez ici. Et vous avez ici tous ceux qui vont supporter le dragon tout à l'heure, qui vont le porter et qui vont faire peur aux gens et les approcher pour essayer d'obtenir des donations de leur part. Si vous mettez dans la gueule du dragon quelques petits billets, eh bien ça va le satisfaire et il va vous sourire et vous faire une petite danse. Voici le ou les dragons. Ça va faire beaucoup de bruit, on va entendre les pétarades du Nouvel An chinois. Déjà, ils résonnent dans nos quartiers depuis environ un jour et demi. Voilà, ils ont commencé hier à 5h50. Et on va avoir l'occasion donc de découvrir une petite procession du Nouvel An chinois ici à Koh Samui. Les équipes qui vont supporter les dragons sont ici, elles se préparent, elles se concentrent. Comme vous pouvez le remarquer, il y a beaucoup de monde ici à Central ce soir. À cette occasion, ils ont organisé un petit marché, enfin un petit, non, il n'est pas si petit, parce que je vois des dizaines et des dizaines de stands, à la fois de nourriture, des vêtements, des bijoux. Il y a beaucoup d'animation et le public arrive petit à petit. Dans ce centre commercial, ce mall appelé Central Samui. Dans ce centre commercial, eh bien, on trouve tout un tas de commerces, shopping, que ce soit des vêtements, des marques classiques que vous retrouvez un petit peu partout et aussi d'autres qui sont plus connus pour la Thaïlande. Des espaces de jeux pour les enfants. Des petites voitures, voilà, il y en a pour les petits et puis un petit peu plus loin pour les plus grands. Il y a également un cinéma. Dans ce cinéma, vous retrouverez des films en thaï et également des films en anglais. Les enfants jouent, mais les parents s'amusent bien aussi. Sont en cours. Dans cet espace, on trouve d'autres types de commerces, un spa avec des massages, un coiffeur, Watson, c'est un magasin un peu comme Superdrug ou vous allez pouvoir acheter des articles de maquillage, des produits comme du shampoing et autres. Et Boots, vous connaissez sans doute Boots, je crois qu'on retrouve ça également dans les aéroports. Là vous voyez un petit peu le marché qui est en train de se vider parce que tout le monde est en train de se regrouper du côté de l'animation spéciale pour le Nouvel An chinois.
faut savoir que le nouvel an chinois, on l'appelle également le nouvel an lunaire. Il célèbre la première lune de l'année. Cette année étant dédiée, c'est l'année du lapin. Tout le monde se met autour du dragon. Le public est très nombreux, que ce soit en hauteur, tout autour de... tout autour de l'étage, mais aussi tout autour de ces personnes qui vont porter les dragons. Des familles, on entend parler vraiment toutes les langues. J'entends beaucoup parler russe, forcément. Actuellement, il y a beaucoup de Russes qui se sont installés à Koh Samui. Voilà, c'est parti. Le dragon prend forme. Les porteurs se préparent. La communauté chinoise a revêtu des vêtements rouges. Un témoignage de soutien à cet événement. Je vous fais participer aux préparatifs. Un dragon est prêt. Les autres enfants ont récupéré la tête des dragons. Alors le dragon s'enroule autour de ce mât. On entend la musique et là je ne vais plus pouvoir parler, mais je vais vous laisser les images.
temps. Allez, une deuxième pyramide humaine avec un tout petit bout de chou là-haut en direct de Central à Samui. On est vraiment dans les coulisses de la pyramide. Une quatrième pyramide. Tête de, du dragon en haut de ce mât. Alors, ce temps, le petit garçon va rencontrer d'autres enfants. Les gens lui tendent quelques petits billets de temps en temps, alors que se prépare ici un mât pour une petite danse spéciale sans doute. Parchemin.
Bravo à tous les bénévoles. Bravo à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de liker, de la partager. N'hésitez pas à commenter. C'était Emma en direct de Koh Samui à l'occasion du Nouvel An chinois.